notre podcast spécial 95 avec Swag. Et aujourd'hui on se retrouve pour encore un nouvel unboxing et test de jeu. Mais donc, ça arrive en 3 jours, vous imaginez? Ouais. C'est Colissimo sans signature. Ouais, ça va arriver direct dans une boîte aux lettres. Ouais. Ouf, ouais. Alors je suppose que ça doit être Little Planet Karting et Driver San Francisco sur PS3. Allez, on commence à le déballer. C'est autre chose, mais c'est un peu bizarre. On peut commencer là, ouais. Heureusement qu'il y a la protection bulle, ouais. Sinon, t'auras déchiré les boîtes. Je vous cache l'adresse. J'espère que j'ai pas déchiré quelque chose. Non. Je crois que vous pouvez déjà voir ce que c'est. Moi je peux voir. Derrière il y a mon jeu, là il y a le tien. Get the fuck off my finger. What? Regardez ce que le vendeur a fait. Il a mis ça. Bah là je crois que vous pouvez déjà voir ce que c'est. Ouais, là vous pouvez bien voir ce que c'est. Attends, on l'ouvre maintenant. Attention, t'es prêt? T'es prêt? Oui. D'abord le tien ou d'abord le mien, on présente? Le mien. Je crois que vous pouvez même voir ce que c'est. Swag est arrivé. Alors là, vous pouvez voir ce que c'est. Nous avons. Oh my god! Nous avons Little Big Planet 2. Et Gran Turismo 3. Mon jeu! Enfin, il est là! On n'a pas besoin de la PS Move. Hein. Et voilà. En premier, nous avons Little Big Planet Karting. Mon jeu! PS3. Mon jeu! Oh, la boîte, elle est en très bonne condition. Regardez ça. Je peux l'avoir. Compatible avec le volant de course PlayStation Move. Je suis trop content. Elle est belle, cette jaquette. Hein. Elle est avec le logo du jeu. Voici Sackboy. J'ai envie de la voir dans mes mains. Voici le côté. Et alors, attends. 1 à 4, on peut jouer à 4, nice. Yes! 2395 mégabytes minimum. C'est beaucoup, ça fait plus de 2 gigas. Bon, on va voir comment c'est mon bébé. Manette 6 axis avec reconnaissance de mouvement. Bah, ça c'est bien, on peut par exemple faire ça, je crois, comme un volant. Fonction de vibration, 720p HD. Fonctionnalité réseau 2 et 8 genres réseau. Allez, il est temps de l'ouvrir. Oh. Donc, dedans, c'est. Une parfaite magnifique. Condition. Imaginez un code. Est-ce qu'il y a un code derrière? Oui, un code. Il y a ce code là. Attendez. C'est pas grave si je vous le montre. Oups. Alors, est-ce qu'il a expiré? Oui, il a expiré en 2015. Oh shit! Oh shit! Oh, c'est shit. Le. C'est quoi? Ah, attends, je vais voir. C'est pas le online pass. Bon, c'est pas grave. On va. Alors, la notice elle est juste là. Oups. Il y a un truc là. Il y a une petite pub pour Little Big Planet PS Vita et pour PlayStation All-Star Battle Royale. Et la notice. Et encore la pub de LBP PS Vita. Et là, je trouve ça beau. Une main qui tient Sackboy. Là. On va vérifier s'il est en bonne condition. Oh non. Oh shit. La notice, elle est en noir et blanc. Mais là c'est en couleur, mais là c'est en noir. En intérieur c'est noir et blanc. Attends, on va tout remettre dedans. C'est un passe en ligne, je crois. Bon, c'est pas grave. On va tout remettre dedans. Vérifions la qualité du disque. Nickel, l'état nickel. Il n'y a absolument pas de rayures dessus. État 9, presque. Oh, 2-3 petites poussières, mais c'est pas grave. Et c'est complet. C'est fermé, vas-y, tu peux le tenir. Oh, c'est la première fois. Ensuite, nous avons mon jeu que je vous ai dit tout à l'heure. Traverse en France. Ouais, on l'a déjà sur Wii, mais j'ai vu que la version PS3 elle est carrément différente. Le devant est en parfaite condition. Juste des petites
marque là, mais c'est pas grave. Voici le côté et le derrière. Alors, je veux voir les specs. C'est trop stylé le pod. Attends, je veux voir les specs. 1, 2, on peut jouer à 2 à Driver San Francisco. 1508 mégas minimum, ça va, c'est 1 giga et demi. DualShock 3, 720p HD, fonctionnalité réseau, 2 à 8 joueurs. On peut changer attends, sa carte. Attends, je vais mettre le couteau ailleurs. Mec, c'est on, attends, jeu. Il est temps de l'ouvrir. Ouh, voilà. Donc c'est complet, avec bien sûr le CD. Il y a un truc derrière, c'est un code. Attendez, je vais voir si le code il a expiré. Là, il montre. Attends. Avec son doigt et des petits quartiers. Non. Oui, c'est pas grave si je le montre, je vais utiliser ce code avant de poster la vidéo. Avec le volant de course. Attends. Le PlayStation Move. C'est Uplay. C'est Uplay. Ouais, on l'a vu tout à l'heure. La notice que vous connaissez bien. Attends. C'est ouais. Magnifique. Je le teste. Hein, attends. Vérifier la qualité du Blu-ray. Attends, on vérifie la qualité du Blu-ray. Ça va. État 9, carrément. Et LBP karting, mais qu'il y a que des poussières. Ouais, juste des petites poussières, mais c'est pas grave. Y'a pas autre chose dans le petit colis? Non. Trop stylé. Vas-y, on va les mettre côte à côte à côte. On va les mettre côte à côte pour dire qu'on a déballé ce jeu. Bon, voilà, merci d'avoir regardé cette partie unboxing du jeu. Merci d'avoir regardé, voilà. Ça, abonnez-vous. C'est moi qui teste. Et ça, c'est Ted Bless. Ouais. Voilà. Abonnez-vous. Lâchez la commande. Bon, je vous dirai à la fin, ça. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour tester d'abord ceci, puis après ceci. Mais je vous préviens qu'il va avoir des, il peut avoir des mages pour ces deux jeux. Du coup, ça peut être long. Bon, à tout à l'heure, les potes. Bonjour à tous. C'est Jack Boy. Je vous passe un message pour dire que vous devez vous abonner à TWSmooth195 et aussi à Swag. Si vous vous abonnez pas à Swag surtout, je ne vais plus être son ami et je vais tous vous buter. Et vous allez vraiment le regretter. Donc, faites ce que je vous dis, sinon je serai tout le temps fâché. Et voilà les potes, on est de retour pour tester Little Big Planet Karting. Alors j'ai vu qu'il y avait un gros update, une mage. Une grosse mage. Je vais vous montrer dans les données du jeu. On l'a fait. Parce que c'était énormément long. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, c'était énormément long. Regardez. Regardez, ça prend combien? 2 gigas. Oui. 2,3 gigas. Ça prend 2315 mégabytes. En plus, il y a le contenu téléchargeable 681 kilobytes. Seulement. C'est pas grave. Et je suis là. Attendez, je vais vous dire que j'allume la cam. Voilà. Non. C'est bon. Allez. On peut. Alors attendez. Voilà, l'image. C'est quoi cette image? Ouais, elle est stylée. Ah, il y a sa gueule à côté. Donc c'est parti. Est-ce qu'on va de dès le début? Ouais. Tiens ta manette. Il n'est pas nananan. Tagada. Haribo Tagada. Non, vraiment, il y a un Haribo. Oh, ça se prostelle. On sait déjà, parce qu'on a déjà fait la mise à jour et tout. Alors, la création des données. Mais c'est trop stylé. En fait, il y avait ça. Ensuite, il y avait. Il voulait dire. On voulait faire un mage. On a dit oui. Et à un avis, ça prenait trop longtemps. Du coup, on a laissé. On a laissé faire. Attends. Approche-toi un peu plus vers moi. On te voit pas. Oui, c'est bon. Hello. C'est parfait comme ça. Tu bouges pas. Tu restes comme une statue. Comme une statue, ok. Non, avec la manette que tu joues. Ta tête, je dis. Ta tête comme une statue. Information importante. N'éteins pas ton système PlayStation 3 quand ce symbole apparaît ou quand l'indicateur accès disque dur clignote. Malheureusement, les PS3 et les PS4 sont dotés d'un disque dur HDD. Vous voyez, c'est la première fois qu'on démarre. Bah. C'est bon, tout est au bord, oui. On a mis vie au dernier. Pas celui-là, avant-dernier du coup. Non, moi je mets au dernier. Mais on voyait Sackboy. Attendez, je monte le son. Écoutez l'intro. Ah, regardez les développeurs, c'est qui? United Front Games. Ce sont les créateurs de Sleeping Dogs. Écoutons l'intro.
prends son temps que tu passes en voiture. Les trajets courts, bon voyage, ou encore les embouteillages. Qu'arrive-t-il aux myriades de pensées diverses et variées qui te traversent l'esprit quand tu regardes par la fenêtre? Toutes ces idées qui bouillonnent et se bousculent dans ton moteur d'imagination interne, c'est ton subconscient. Eh bien, les idées ne sont que pure énergie. Voyons un petit peu. Là il m'aurait mis... Ah, j'allais dire il m'aurait mis 3 étoiles, je rigole. Notez ce fait. Les magisphères et l'énergie qui unit les deux planètes et toutes ces lunes et satellites. Une force si puissante que même le négativitron ne peut pas la faire plier, l'abîmer ou l'affaiblir. Ouah, ça va, il est trop bien fait. Elle a besoin de... Il est trop beau. Pour l'instant, on passe. Il était trop beau. Ouais. Mais par contre, on se mettait en tout près, ça bave. Comment me passer? Non mais par exemple, j'ai vu sur le premier, sur le deuxième, c'est pareil. C'est du graphisme 720p. Sur le karting, c'est mieux. Et on s'est mis tout près et comme ça bavait. Le 3 et le... Les insatiables stalkers ne sont vraiment pas très malins. Alors, j'en peux-tu chaque fois, comme ça va. Devrait être une simple formalité pour un caïd de la route comme toi. Attends. Il suffit qu'on te montre une base et je suis sûr que tu te déguerpiras plus vite qu'une vache frappée par une belle jaune. Faisons donc un petit tour de la manette. Est-ce que tu préfères utiliser la touche X ou la touche R2 pour accélérer? R2, c'est mieux. R2. Ouais, t'as raison. Ok, les bases. Appuie sur la touche d'accélération pour faire avancer ton kart. Maintiens-la enfoncée si tu veux faire chauffer les roues. Tu peux atteindre des vitesses absolument faramineuses dans ce jeu. Alors relâche la touche. Oh, on peut déraper? Ouais, avec X. Je suis compagnard, moi. Encore plus vite si tu veux faire une pause pipi. Une fois à l'arrêt, maintiens la touche frein enfoncée. C'est quoi ce dialogue? Maintiens la touche frein. Dirige-toi en orientant le joystick gauche vers la gauche ou la droite. Tu peux aussi utiliser les touches directionnelles. Bien, si tu es satisfait du confort ergonomique offert par la configuration de ta manette, il est excellent. Maintenant que tu as choisi une touche de manette préférée, on peut continuer. Si tu veux revenir en arrière et faire des modifications plus tard, tu pourras le faire à partir du menu pause ou du menu paramètres de ton pod. A bientôt, pour piloter, on doit se sentir 100% confortable, n'est-ce pas vrai, mon cher monsieur? Carte déraper signifie négocier un virage. On peut déraper, c'est ça. On sait. C'est une glissade. Ouais, c'est ce qu'on vient de faire aussi. Jusqu'au bout. C'était un très joli dérapage. À la fois excellent et excellent. Le boost que vous procède aux molécules de pensée positive qui brûlent dans le feu du dérapage. Plus la flamme est grosse, plus le boost est puissant. Bien. Qui veut savoir comment diriger et déraper en même temps? Dérape comme un chef. Maintenant, pouvoir déraper en dirigeant ton kart. Ça bouge plus. Cette fois, appuie sur ce que je viens de faire. Magnifique, j'en étais sûr. Toute nouvelle corde à ton arc. Bien, tu as réussi ton examen de conduite. Il est temps maintenant de passer à l'entraînement aux armes. Non, on ne va pas s'attarder sur la logistique balistique. On va simplement te montrer comment dégager. C'est comme un arcade. Oh, jolie trouvaille, la première. Voilà en possession de l'armateur. Deux mots, génial. Tu es ralenti.
petit et tu perds un peu le contrôle de ton carte. Oh, la violence! Nous allons apprendre ce que l'on appelle une arme défensive. Les armes défensives sont assez vicieuses dans la mesure où tu peux les envoyer derrière toi dans le but de ralentir les autres pilotes ou de détruire les attaques lancées à tes trousses. Si tu regardes l'icône d'arme à l'approche, tu la verras se transformer en bouclier. Ça veut dire que c'est le moment d'appuyer sur la touche arme pour lancer ton arme défensive. Lorsque l'icône affiche un bouclier, l'arme défensive est tirée en arrière pour contrer les attaques de tes fourbes poursuivants. La distance de sécurité alors. Garde ton arme jusqu'à ce que la menace soit imminente. Tu peux le faire. Je suis vraiment la max, toi. Un tireur sacrément doué, tu sais. Ouais. Souviens-toi, une fois que tu as l'arme, tu peux l'utiliser immédiatement ou bien la garder pour une situation plus délicate. Tu sais que tu peux choisir le niveau de difficulté de ta partie. Choisis normal et tu auras droit au... Bravo! Eh bien, oui, je te félicite. Couche, il n'y a pas de perte. Tu as appris tellement de choses en si peu de temps. En fait, si je ne te connaissais pas, je te soupçonnerais d'être un robot. Si tu as oublié quelque chose, ou si tu veux un petit récapitulatif, ramène ta fraise de Sackboy ici, et on reprendra la fraise de Sackboy. J'en serais ravi. Nice. Je crois qu'on peut bouger ça là. Ouais, tu conditions les mots. Yeah. Est-ce que je vais rejoindre? Attendez. Ça fait 10 minutes! Ouais. Alors c'est juste le tutoriel. Pardon. Ton pod est l'aboutissement d'une très bonne idée. Utilise la manette pour accéder à l'ordinateur de ton pod. Tu peux ensuite choisir des parties ou localiser tes amis Sad Boys. La touche menu est la clé de ton carte, en quelque sorte. Mon Dieu, c'est clair! En plus, t'as pété dans mon Sad Boy! Ah. What? On est deux? Oh, je t'ai parlé de notre programme fidélité, bonus, allégeance, récompense, remerciement, retrouvailles, cadeaux. Non? Oh, mais c'est génial! Comme tu connais déjà Little Big Planet, c'est notre façon à nous de te dire un grand merci d'être de notre côté. Tu gagnes une tenue bonus totalement gratuite pour ton Sackboy et un kart supplémentaire. Oui, parce qu'on a déjà joué au LBB 1 et 2. Karting. C'est amour et partage. Ouais. Personne n'a dit que l'Abby ne faisait pas Sackboy. Même l'Abby fait le Sackboy. Tout fait Sackboy. Reste comme ça. Sackboy, c'est notre ami. Ouais. Toujours notre ami. Attendez. Little Big Planet Karting, c'est fun, des rires, des récompenses. Que la sac... Tu l'as pas respecté. Attendez, on va voir si c'est... Au bas ou gauche-droite. On va voir si c'est... Moi, je pense que c'est au bas. Et toi, règle, ok, dans les paramètres. Parce que peut-être que tu n'as pas fait le tuto, toi. Vas-y, pause. Ah oui. Tu peux pas. Attendez, paramètres. R2, R2. Oh, on peut jouer à 4. Ouais. Attends. Ouais. Alors moi je suis en haut, toi t'es en bas. Ouais. Donc j'ai TWS 195, j'ai TWS 195. Hein. Ouais. J'ai tué le premier. Ah, je suis déjà premier. Mais c'est violent, je viens de tuer un mec.
Oh non, fuck. Oh, c'est chaud. What? C'était chaud. Au dernier moment, je l'ai fait. Allez, bordel! Première, deuxième! On est identique. Voilà, on a gagné. On a gagné. Ça fait 15 minutes. Ça qui? Danny Bot. Vas-y, on passe. On passe tout. On va venir au pod. Et voilà. Nice! Le jeu fonctionne parfaitement! Maintenant, on va faire le test de terrain. On l'a déjà fait. Ah oui. Ah non, non, je rigole. Oh, maintenant, on va tester Driver San Francisco. Sur PS3. Alors, on va attendre que ça finisse de charger. Tiens, tiens, tiens. Tu ne serais pas né avec un kart dans les mains? Non, ta gueule, on s'en fout de ta life. Voilà. On va s'habiller. Non, tout plus tard. Bonjour. Mets-toi avec plus moi tard. Devant. Oh, voilà. Le jeu fonctionne nickel. Non, 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 on doit quitter le jeu. Wait. Non, non, j'attends pas moi. Voilà, j'ai 5 euros. Allez, nice. Voilà, le jeu fonctionne nickel. Allez, on quitte le jeu. Je vais éteindre la GoPro. Et on va faire du test. What? What the hell? Dès qu'on a quitté, on a rien trop fait. Le test de drive. Ouais. Let's go, go, go. Allez, j'éteins la GoPro. Et bien voilà les potes, les données sont installées, j'ai juste fait un petit démarrage pour voir si ça fonctionnait correctement. Et le jeu a été installé direct. Donc, attendez, je vais allumer la webcam. Je vous dirai que c'est bon. C'est bon, voilà. On peut commencer à jouer, c'est parti. Oui, je sais.
l'instant, le jeu démarre correctement. Regarde, je vais fermer la fenêtre. C'est bon. Parce que j'ai pas envie d'entendre de bruit pendant que je joue. C'est parti. Veuillez patienter. J'ai déjà joué à la version Wii et j'ai bien aimé. Attendez, je vais aller aux options. Non, il n'y a pas d'option. Entre pas! Si vous voulez, si tu veux, tu peux entrer. Voilà, swag. Je disais entre pas, c'était pour déconner. Voilà, swag qui est derrière. Bon, vas-y, on va commencer le scénario. Nouvelle partie. Ça s'est installé en 5 minutes. Le jeu s'est installé en 5 minutes. Attendez. Est-ce que la GoPro est bien placée? Je crois que oui, c'est bon. Après que. Je vais attendre qu'il y ait un truc bien clair. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. On peut pas passer les cinématiques? Si on peut. Là, ce qui nous intéresse, c'est pas les cinématiques, c'est juste pour voir si le jeu fonctionne. Oh, c'est trop beau! Ah, c'est bien R2 pour essayer. Ah, les graphismes sont stylés! Changeur sur la 13ème. Ah oui, pourquoi pas? Ah! Non, mais je suis nul moi dans la conduite! C'est GTA! Ça ressemble à GTA, ouais. Ah, je sais, c'est L2 pour freiner. La majorité des jeux de course sont cette console, c'est vraiment pas mal. Appuyez sur Select, je jette la caméra. Oh! C'est la première personne! C'est stylé! Allez, dégage, je te tire la gueule. Ouais, ça c'est la meilleure vue pour moi. Je veux mettre les sous-titres pour que ça fasse comme un film. Shift. Shift, c'est des shifts. Je vais tout mettre à fond. Moteur, non. Le moteur, c'est si, si, si. Du coup, non. Je fais ce que je veux, c'est mon jeu. Attendez, ce jeu a été créé par qui? Allez, premier truc terminé. On va juste le tester 5 minutes encore. Les flics. Non, on va pas passer cette fois. Tu vois, ce coup-là, j'ai fait un effort. Tu sais quoi, Jones, t'avais peut-être raison. Rejoignons l'hélicoptère de KEOC à l'instant où le convoi pénitentiaire quitte la ville. La police a bloqué les rues entre la prison et le tribunal. Nous ferons un point sur le transfert toutes les 5 minutes. Oh le... Contente-toi de faire du sur place, compris? Bon, on va se la prendre, cette bière. C'est ma tournée. Par contre, regarde ce qu'il va faire. Regardez ce qui se passe. Les flics font le même bruit que le jeu sur Wii. Elle, c'est une ennemie. En fait, c'est un rocket launcher. Oh, elle est l'ennemi du flic. Ouais, carrément. C'est bien pour vous. Ouais. Mais c'est elle, c'est une ennemie. Et les graphismes aussi, ils sont stylés. Vas-y, c'est bon. Faut poursuivre Jericho. Allez, dégagez, vous avez sa gueule. Moi, je fais partie des flics. Moi, John, moi, je sais plus comment il s'appelle. Bon, je verrai sur la. Je verrai sur YouTube plus tard. Non. Ça, c'est pas la version Wii seulement. Vous voyez, c'est carrément différent ça. Ça rime en plus. Ouais, ouais, t'inquiète. Tu t'appelles John? Ah oui, oui, non, c'est bon. Je suis. Oui, c'est John, mais il faisait partie des flics, même dans la version Wii. Vous pouvez se faire toucher par les flics. Oh, ta gueule. Je sais ce que je dois faire.
dégage, c'est une fuite de merde dans sa gueule. Je m'en embêté. Pas dans la version PS3, je crois. Merde! Pourquoi t'as bloqué? Suivre Jericho dans la ruelle. Et tu les trouves comment, toi, les graphismes, Swag? Eh, il a plus étalé. Bon, voilà, ta gueule. Il est passé où? Hey, il est derrière nous. Allez, t'as l'air, fonce. Oh oh, il nous a percuté ce patos. Central ici, 40 Alpha 30. On a besoin de renfort. Franchement, non. Là, c'est le sommet. Vas-y, fonce. En fait, moi, c'est John Tanner. John Tanner. T'es mort, sauf que je me suis fait revivre par le défibrillateur. Je l'ai vu partir. En fait, j'étais mort, je suis revenu à la vie. Il faut qu'on t'emmène à l'hôpital. Jericho nous a semé. Le réveil. Ça va, John? Ouais, ça va. Monte. Alors, on va tester 2-3 minutes encore sur le suite, c'est bon. Est-ce que toi t'aimes bien quand c'est R2 pour accélérer? Oui. Et vous, dites-moi, qu'est-ce que vous préférez? R2, X ou le joystick droit pour accélérer? Oh non, je me noie, c'est pas grave, c'est là. Bon, allez, c'est bon. Allez, ça m'a déjà saoulé. Allez, c'est bon, c'est bon. Allez. Oui. Allez, voilà. Le jeu fonctionne. Nickel. On va pouvoir quitter. Allez, je quitte. Voilà. Attendez, j'éteins la cam.
Non, je vais plutôt éteindre la GoPro. Je vous dirai quand j'ai éteint. J'ai éteint, c'est bon. Je vais éjecter le jeu qui est juste là. Vas-y, donne-le-moi. C'est bon, il est là. Et voilà. Un jeu en plus dans la collection. Bon, on va le mettre tout à l'heure. Merci. Attendez, je vais le mettre là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo unboxing et test de jeu vous a plu. Surtout, Swag, il a son LBP karting, il a plu. Abonnez-vous, lâchez un like, commentez, partagez les vidéos, désabonnez-vous de ça. Vous savez que c'est pour rigoler que j'ai ça. Allez, bordel. Vous êtes con ou quoi? Bon, allez. Tu arrêtes de bye dire bye ça, bye. Non, ta gueule, attends. Bye bye, tchuss.